Pour le sujet d'aujourd'hui, c'était les adjectifs possessifs. Comme le nom l'indique, c'est la possession. Il démontre la possession des choses. Et pour voir quel adjectif utiliser, je dois faire attention. Si le mot est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Vous avez l'image, je vais vous la montrer. Bien. Si vous notez là, voici, est-ce que vous regardez les adjectifs possessifs? Vous regardez l'image? Répondez, s'il vous plaît. Bien. Je vais poser la question à Jaime. Jaime, tu regardes l'image des adjectifs possessifs? Non, no entiendo. tu observes l'image, les adjectifs possessifs? Ah oui. Ah d'accord, merci. Oui, parce que parfois ça ne marche pas. Merci. Bien, voici l'explication. Pour chaque personne, je, tu, il, elle, il a un adjectif possessif. Il y a, pardon. Par exemple, pour je, si je veux indiquer que quelque chose que je possède, si c'est masculin, je vais dire mon. Dans les cas, il y a l'exemple de mon père, mi padre. Parce que père est masculin, singulier. Si c'est féminin, singulier, je vais utiliser l'adjectif possessif ma, ma mère, mi madre. Et pour les deux, féminin, masculin, mais que ce soit pluriel, deux, trois, quatre, l'adjectif possessif sera mi pour les deux. Alors, mon père, ma mère, mes parents. Pour la personne tu, c'est la même chose, mais avec ton. Ton père, ta mère, tes parents. Pour la personne il, elle, on va utiliser son. Son père, sa mère, ses parents. Pour la personne nous, notre père, notre mère, nos parents. Là, ce n'est pas difficile parce que c'est notre, notre. Mais le pluriel, il faut faire attention. Il faut dire non. Pour la personne vous, votre père, votre mère, vos parents. Pas de problème, votre, votre. Mais pour le pluriel, c'est vos. Il, elle. Là, ça va changer un peu et on va dire leur père, leur mère, leurs parents, mais le pluriel avec S. Es como decir el papá de ellos, la mamá de ellas, los papás de ellos, c'est leur. Il faut faire attention. Pour les noms féminins qui commencent par une voyelle, je vais utiliser l'adjectif possessif masculin. Par exemple, ami féminin. Je ne peux pas dire ma amie parce que c'est incorrect. Je dois dire mon ami, ton ami, son ami. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Leur ami, votre ami, notre ami, pas de problème. Mais faites attention. Es como en el caso de los adjetivos demostrativos, que si es masculino pero comienza con vocal, tengo que utilizar si, c-e-t. En este caso, si el nombre femenino comienza con vocal, voy a tener que usar el adjetivo posesivo masculino. Así que no vayan a decir mamita, mi, no. Mon ami,
ton ami, son ami. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Des questions? Je vous écoute. Non. Bien. Alors, on va faire... Ah oui, Silvio. Silvio. Tu as levé la main. Madame. Oui, Jaime. Tengo una pregunta de para decir mis, como por ejemplo, mis padres. Eso incluye lo masculino y femenino, ¿verdad? O sea, no importa. Pero si el grupo al que me refiero solo son femeninos, ¿no solo mi? Femeninos. O sea, el mismo siempre. Sí, para el plural de los posesivos no cambia. No distingue femenino y masculino. Siempre es me, te, se, no, vo, le. Ok, merci. De rien. Une autre question? Si no, pasamos a los ejercicios y voy a pedir la participación de cada uno. Alors, de ici. Laissez-moi chercher. Là. Bien. Ici. Vous notez qu'il y a les adjectifs possessifs, les exercices. Vous les regardez. Bien. Alors, c'est un exercice de compléter. Vous avez les pronoms. Je, tu, il, elle. Et vous avez une image. Le premier, c'est un pantalon. La deuxième image, c'est une chemise. Et la troisième image, ce sont des baskets. Alors, je vais demander... Bon, Jaime, on va commencer avec toi. Comment ça serait... pour la première colonne, je, tu, il, elle, avec un pantalon. Ah, pero lo digo como yo tengo. No, o... solo, simplement l'adjectif possessif. Mon. Je, mon. Mon pantalon. Avec tu? Te voy a dar una clave para que se acuerden de los adjetivos posesivos. Aprendérselos haces así. Mun, tun, sun, ma, ta, sa. Entonces, ton, ton, il, son, nous, not, not. Notre, oui. Vous. Votre. Votre. Il, elle. Leur. Leur. Non. Leur. Ainsi, leur. Comme est singulier, est leur comme ça. Merci, Jaime. Maintenant, Sadia. Okay. Bonjour. Bonjour, Sadia. Avec la chemise, comment ça serait? J'ai ma. Ma, oui. Tu? Ça. Non, ta, pardon. Ta. Il, elle. Ça. Ça. Nous. Notre. Notre. Vous. Votre. Votre. Il, elle.
Leur. Leur, correct, merci. Maintenant, Henry. Des baskets. Mais, je mais tu, t'es, il, elle, c'est, et nous, je ne sais pas, madame. Ahí va a cambiar un poquito, ya no sería otro con ese, sino que no. Ese cambia un poquito en plural. Nuestros es no. ¿Cómo sería vous? Vous. Vous. ¿Y cómo sería il, elle? Le. Le con ese. Merci beaucoup. On passe avec Mateo. Le premier exercice. J'ai un ballon. Mateo, Mateo González, voy yo, madame. Alejandra, bonjour. Bon, Alejandra, tu veux faire le premier? Ah, non, 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 non. Je ne voulais pas. Vaya, pour moi, que me fue mal, PM. ¿Qué se dit? New? J'ai un ballon. C'est? Ah, new? No. Comment sería mi? Ah, sería. Mon? Oui, parce que ballon, c'est masculin, singulier, c'est mon ballon. Mon. Merci. Tu avais une question, Alejandra? Oui, pourquoi mon, son comme ballon est masculin, verdad? Oui. Non, je crois que non, ya le entiendo más o menos este tema. Magnifique, très bien. Maintenant, de rien. Je vais demander à Emelina, numéro 2. Leur. Et exactement, ils ont une moto, c'est leur moto. Très bien. Numéro 3, Jennifer Hueso. Vous avez des livres? Ce sont vos, correct. Vos livres. Merci. Gabriela, numéro 4. Et là, un ballon, c'est son, correct. Son ballon. Numéro 5, Daniel Salazar. Bonjour, madame. Bonjour. Tu as des baskets. Ce sont? Tu as des baskets. Ce sont? Non. Mais regarde, tu as des baskets. Ce sont? Ah. Ton basket. Ah, mais c'est pluriel. Des baskets avec S. Ah, t'es. T'es correct. Des baskets. Merci. Numéro 6, Damaris. Damaris. Non. J'ai un copain, c'est? Ma. Ah, mais regarde, j'ai un copain. Mon. Mon, correct.
C'est mon copain. Numéro 7, Jennifer Martinez. Bonjour. Bonjour. Nous savons où je suis. Non. Nous avons une fête. Notre. Notre, correct. Notre chat, merci. Silvio, numéro 8. J'ai des livres. Ce sont... ce sont non, nos livres. C'est j'ai. Ah, j'ai. Ah, pardon. Livres, c'est mes. Correct, ce sont mes livres. Merci. Brian, numéro 9. Tu as un ballon. C'est. C'est un ballon. C'est masculin singulier. C'est ton. Ton, oui. C'est ton ballon. Merci. Maintenant, Brian Enrique. Il a un ballon. C'est. Brian Enrique. Bonjour, madame. Oui. Et la balance est l'air. Oh. Ah, mais c'est il singulier. Oui. Oui, singulier, masculin et la personne il, elle. Il a un ballon, c'est? Non, recuerdo. Es el ballon de elle, comment se diría? Un ballon, c'est. Son. Correct. C'est son ballon. Merci. Maintenant, je vais demander à Ingrid, numéro 11. Ils ont un chien. C'est leur chien. Correct. Merci. Numéro 12. Bon, Matteo n'est pas là. Daniel Salazar, numéro 12. Tu as une moto. C'est? C'est ton moto. Ah, mais tu as une moto. C'est mignon. Oui. Esta. Correct. C'est ta moto. Merci. Merci. Après... Dalila est en train de se connecter. Alejandra. 13. Ils ont des cadeaux. Ce sont? Voudrait. Mais c'est il. Non. Il. Pardon. Son. Non. Mais c'est pluriel parce que ça finit par X, cadeau. Leur, correct. Leur. Con S. Porque como es plural, leur cadeau. Están hablando de dos personas. Il, sí. Ellos tienen regalos. Son sus regalos. Exactement. Ya. Maintenant, volontairement, parce que sinon, on ne va pas finir. Numéro 14, volontaire. Bonjour.
Madame. Dis-moi. Bonjour. Bonjour. Le 14, c'est... Ok. C'est son ballon. Correct. Enrique, tu peux continuer numéro 15, s'il te plaît. Ils sont une glace, c'est leur glace. Correct. Très bien, merci beaucoup. Je ne te voyais pas dans la liste. J'espère que tu n'es pas malade. Oui, merci. De rien. Maintenant, Dalila. Dalila, 16. J'ai une moto. C'est... Quel numéro? 16. 14, 15, 16. Tu as une moto, c'est un loco, c'est ma moto. Bien, numéro 17. Okay. Et là, des fruits, ce sont Karen Sarmiento. Elle a des fruits. Ce sont. Bonjour, madame. Bonjour. C'est sa fruit. Elle a des fruits. Elle. Mais des fruits, c'est pour okay. Elle. Mm-hmm. Ok. C'est. Correct. Ce sont ses fruits. Très bien. Numéro 18, Brian Enrique. Oui. Vous avez des crayons. Crayons. Pour un bosse. Bon, correct. Vos crayons. Continue avec numéro 19. Elle a une moto. C'est. Elle a une moto. Pardon? So. Moto, c'est féminin. Ah, ça. Pardon, ça. Ça, correct. Merci. Sadia, numéro 20 et 21. Sadia. 20, creo que es l'heure. L'heure, pero así, porque es un balón. Ah, sí, es cierto, perdón. Muy bien. Y la otra sería nos. Un balón. Nos avons un balón. Ay, perdón. Sería notre. Notre. Notre balón. Merci. Silvio. Ok. 22 y 23. Oh. Y la de Copán. Y la de Copán. Il a ses copains, correct. 23, ils ont une voiture. C'est ils ont leur. Correct. Porque es varios poseedores, il, pero una posesión. La voiture, leur. Merci beaucoup. Gabriela, numéro 24 et 25. S'il te plaît. Gabriela. Oui. Nous avons des livres. Nous avons. Votre. Mais c'est nous. Nous avons des livres. Ce sont. Oui. Vous. La personne, c'est nous. Nuestros. Votre. No, sería. No libro. Porque es nuestros. Con la persona. Pero ahora, como le toca la 25,
¿Cómo sería con vous? Vous avez un ballon, ¿sí? ¿Votre? Correcto, votre ballon. El tiempo se nos está acabando. Rápidamente, Emelina. Continue, 26, 27, 28. Mon. Mon sacado porque es je, oui. 27. Votre. Votre chat, correct. 28, ils ont un mobile, c'est. Ils. L'heure. L'heure, correct, merci. Et pour finir, je demande à Enrique, encore une fois. 29, et le reste, comment serait 29? Vous savez. Une casquette, c'est votre casquette. Correct, 30. Elle a un violon. Oui. Violon. Violon. C'est sa violon. Comment est-ce un violon, c'est masculin? Et son violon. Violon. Oui. 31. Nous avons une moto. C'est. C'est notre moto. Singulier. Nous avons une moto. Une moto. Et notre moto. Notre moto, très bien. Et 32. Leurs sont des livres, ce sont leurs livres. Ils ont des livres, c'est? Ce sont leurs. Livres. Ce sont leurs livres. Et comment est-ce plural? Leurs. Oui. Merci beaucoup. Vamos à comparer. Et si vous notez, nous avons obtenu 10. Bravo. Alors, vous pouvez répéter cet exercice. Je vais vous partager les liens, comme ça vous pratiquez. Et je dois expliquer une autre chose. Alors, voy a haber otra reunión. Ahorita le voy a compartir el código en Facebook porque solo les tengo que explicar algo muy breve también. Y como le dije, le voy a compartir esto. Así que como nos quedan 7 minutos, no va a ser suficiente. Voy a cerrar acá y voy a volver a abrir una reunión. Alors, à très bientôt.